Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chaos Games, je suis Kaoril et nous sommes aujourd'hui repartis sur Dying Light avec mes copains qui tapent du marteau. Lui il tape sur les bambous, il fait le numéro 1, je sais pas ce qu'il s'éclate à faire, il y a son père qui glandouille. Et moi il faut que j'aille voir Rice pour y réclamer ma récompense durement gagnée à faire de l'escalade et avoir le vertige. Alors, est-ce que... Hop là, je peux sauter sur la bagnole? Oui, on va sauter sur le caillou, tiens. Pour se sauver de là. Voilà. On va aller dans la tour de Rice. J'espère qu'il va me donner l'antisine promis. Il est passé où? Oh, bah alors. Un problème? Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ah bah oui. Mais tu me montres qu'il y a une petite caisse et ça, c'est sympa. Alors... Un petit peu de loot pour bien commencer. Oh, il fait sombre là-dedans. Et c'est vide. Et ça pue. Tu t'étais chié dessus avant de mourir, espèce de dégueulasse. Ok. Petite station service. Tchac, 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 tchac. Ouh. C'est haut. Oui. Tout va bien. Tout va bien, mais j'ai perdu de la vie. Oh! Ça alors. Oula! Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Oh, t'es excité d'un coup! Bim! Non, mais oh! Tu veux que je t'aide? Bim! Non, mais hé! Hey. Voilà! Voilà, voilà! Pas plaisanter non plus! Donc, il y a de la petite musique sympathique. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça chantonne sévère. Oh, il y a un gros. Mais il y a une ambulance. Ouais. On va plutôt se sauver de là. Qu'est-ce que c'est que ça? Examiner. Ouais, ok, j'examine. Spike, c'est Crane. Je suis devant un bâtiment marqué zone de quarantaine. Ah ouais? Quelque chose? C'est la zone de quarantaine qui abritait le patient zéro. Ah bon? C'est là que les premiers infectés ont été transférés au début de l'épidémie. Il y a eu des problèmes très vite et le bâtiment a été abandonné. Il grouille de mordeurs. Ouais, bah, mais très peu pour moi. Et de provisions. Ah. Mais même les gars de Rice n'ont pas réussi à y entrer. Ah, ça doit être plein de bonnes choses alors. Je m'en occuperai un peu plus tard. Là, je suis un peu en mission pour Rice. Et apparemment, c'est encore plus important qu'une mission pour le Seigneur, les missions de Rice. Oh, du pognon qui clignote en bleu, ce serait un marchand fou furieux. Ouais, ok, hop là, bonjour. Ouh, 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 non, tout va bien. Il est où ce marchand bleu? T'es là, monsieur le marchand? Coco. Petite caisse. Avant d'aller voir le marchand, un petit peu de loot, ça fait toujours du bien, des piles et du bon café. Un meilleur marché dans tout Aran. Ah ouais? Bah j'arrive alors, mettez où? Produits domestiques. J'aimerais surtout trouver du plastique pour me faire des pétards. Et bah voilà, il suffit de demander du bon plastoc pour faire des bons pétards. Qu'est-ce que tu me vends? Enfin déjà, qu'est-ce que je te vends? Je te vends du maquillage. Du bon café et de la clope. Tu me vends un marteau simple à 72. Ah, mais c'est pas mal du tout, c'est dis-moi, parce que ma meilleure arme ne fait que 57. Donc, bah, je vais te prendre ça déjà. Ensuite, tu as de la corde pour faire des cocktails Molotov. Je prends aussi. Pièce métallique, tout ça, j'en ai plus quoi savoir en faire. C'est bon. Ok. Nouvel objet. L'agent à base d'une matraque, ouais. Ok. Bon, on va faire un agent avec cette matraque-là. Oh, ouais, ça fait vachement plus mal. Ça résiste moins. Ah, c'est le problème. Mais bon. Pour plus de dégâts, je ferai n'importe quoi. Essentiel industriel avec mon marteau simple pour y rajouter 7 de dégâts. C'est plutôt bon. Impeccable. Toc. Marteau simple, tu le sélectionnes, tu le prends sur toi.
l'agent à la place de du marteau de maçon. Voilà, et le marteau simple, on va se l'améliorer. 3 modules, ah bah tout va bien. Champion, impec, titan, pour augmenter sa résistance, et ce sera pas mal pour l'instant. Je pourrais en rajouter par la suite. 83 de dégâts, c'est pas mal du tout. C'est un beau marteau. La Hop, qualité à qui ouh. prix, c'est ici. Ah bah c'est impeccable. On se croirait chez Super U. Hop, ok. C'est toi, hein? Prime? Pour les antennes. Mais oui. Me l'a dit. La communication est parfaite maintenant. Ah bah c'est bien. Beau travail, vieux. Ça rend service à tout le monde. Surtout au docteur Serré et au docteur Comden. Eh ben quand on peut rendre service. Depuis... C'est la première fois en fait. Ok. On se voit à la tour. D'accord. On se voit à la tour. Bah tiens, d'ailleurs, la tour serait le plus proche que chez mon copain Rice. La tour. Ah oui, la tour, faut faire demi-tour. Bah non, bah on va chez Rice, alors. On va chez Rice. C'est comme ça. Toc, toc, on esquive les vilains méchants pas beaux. Okay. Oh, camionnette de flic abandonnée. Mais oui. Alors, c'est pour moi, ça. Un crochet, je vais en fabriquer d'autres avant de m'énerver dessus. Voilà. Avec une petite dizaine de crochets supplémentaires, je me sentirai moins nouille devant cette serrure très difficile. Voilà. Et d'un. Et de deux. Genre pas. Ok. Bon. Et je n'ai aucun indice pour l'instant sur son point d'ouverture. Mais. Ok. Ah. Presque. Donc être entre les deux. Ah. Bon, je m'en éloigne. Je m'en éloigne encore. Non. Bon. Voilà. Il suffisait d'un peu de talent pour trouver, non pas un flingue, mais une lame crochet 74. Oh, mais c'est que c'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal du tout. Ça remplacerait avantageusement mon arrache-clou. Ok. Ok, ok. Je vais l'améliorer. Voilà. Ça lui donne combien ça en dégâts maintenant à la lame crochet? 82. Et 83 pour le marteau simple. Eh ben c'est pas mal du tout. Ouh. C'était utile. Ça a l'air cool ici. Bonjour. Stylo à poison, bon. Un petit crochetage. Ah. Non. Non, encore un peu. Ah, non, trop. Trop, c'est trop. Voilà. Faut pas crier comme ça, madame. Un marteau et du bon café. Qu'est-ce qu'il peut y avoir par là? Plein de bonnes choses. Une lame, je prends. Un aérosol pour faire pchit pchit contre les moustiques. Parce que c'est pas parce qu'on est en pleine apocalypse zombie qu'il ne faut pas éviter les moustiques et autres chikunkunya et joyeuseté. Voilà, voilà, voilà. Staff only. Bon, j'en fais pas partie, c'est dommage. Bon, bah ça va l'air d'être cool ce qui s'est passé ici. Ça va l'air d'être cool. Chez mon copain Rai, c'est encore à 120 mètres. Hop, hop. Hop. Ah oui, je reconnais ces...
son logo, son sigle de ralliement, ô combien distingué. Foutez-moi la paix, je vais voir le patron. Oh 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 oh, fous-moi la paix. Hein, qui ça? Allô, Kyle Crane? Ouais. Et vous êtes? Je m'appelle Troy. Je dirige un petit groupe de survivants dans le secteur 0. On s'est les ombres. Secteur 0. Le secteur 0 est totalement bouclé, monsieur Crane. Ah bon? Jusqu'à ce que vous répariez les communications radio, on ignorait s'il y avait d'autres survivants en ville. Oh bah ben non. Je voulais vous remercier. Vous nous avez offert un peu d'espoir. Mais de rien. Eh ben, content d'avoir pu vous aider. Si nous pouvons vous aider à notre tour, Oup. De quelque façon que ce soit, monsieur Crane, n'hésitez pas à nous le demander. Ok. Et merci encore. Mais de rien. Si ça te fait plaisir, moi ça me fait plaisir. J'ai terminé le boulot. Je dois maintenant retourner voir Rice et obtenir l'antizine. De l'antizine. Mais déjà... bah non, Rice il est là. Bonjour. Parfait. Monsieur. Non seulement tu as mené à bien la mission pour Karim, mais tu es revenu entier. Bravo. Je peux avoir de l'antizine maintenant? Tu pensais me satisfaire aussi facilement? Tu as encore beaucoup de choses à prouver. Écoute, on a vraiment besoin de médicaments. Donnez-moi et je reviendrai plus tard faire ce que tu veux. Bon, tu oui. Tu auras l'antizine quand moi, je l'aurai décidé. Le fameux « mets ça sur mon ardoise, je te paierai plus tard ». Magnanime. Si tu as accompli toutes les tâches que je te confie, tu n'auras pas une, mais... deux caisses d'antizine. Deux caisses! Très bien entendu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce sera un peu différent de ton exploit sur les antennes. Il te faudra être un peu plus persuasif. Imposer sa volonté. Créer ses propres règles. C'est à ça qu'on reconnaît un homme. Tu fixes tes propres règles, Crane. Ou bien tu sers de marionnette à quelqu'un d'autre. Je crois connaître la réponse. Mais je suis pas un feignant. Tu vas parler à Karim avant que je décide que tu n'en vaux plus la peine. Ok. 5000 PX, merci quand même Rice, ça fait plaisir. Ouais. Ah, mon ami. Mon ami. Rice t'apprécie, c'est évident. Comment ça? Si c'était pas le cas, tu serais plus en vie. Ok. J'ai une petite mission pour toi. Il faudrait que t'ailles récupérer quelques trucs dans les colonies. D'accord. Lesquelles? Au garage de Jafar, pour commencer. À l'est. Mais attention, tout le monde ne sera pas forcément prêt à coopérer. Je suppose que tu sais être convaincant quand il le faut. Ah, tout à fait. Tout à fait. Je suis la conviction même. La convaincance même. On va déjà rendre du café. Est-ce que j'aurais pas vendu une de mes armes fétiches? C'est pas grave. Il m'en reste 3, c'en est bien assez. Je prends tout, et je prends tout. De toute façon, tu vends que de la drouille. Ok. Faut que je contacte mes amis du GRE. Oublie ça, tu tiendrais pas une seconde. Non, ça devrait aller, en fait, vous rejoindre. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bon. Ah, il se détend avec une mitraillette. Ok. Pourquoi pas? Ça me surprend pas que Rice ait pas tenu parole. Mais le GRE ne laissera pas m'en tirer comme ça. Ah oui. Si on a une chance de récupérer de l'antizine, il faut pas la laisser passer. Cette fois, il veut que j'aille raqueter les colonies. Il a plutôt intérêt à me donner le médicament après ça. Ah, il a intérêt, sinon je vais bouder très fort. Eh ben, boude mon ami, boude. Allez, on va déjà aller voir ce que me veut le GRE, ils vont encore me raconter. Des... ouh, cochonneries. Hop là. Hop. Pardon les zombies, mais faut que j'aille contacter mes copains du GRE. J'ai pas le temps de m'amuser avec vous. J'ai pas le temps du tout. Ah, bah c'est pas là qu'il faut aller contacter le GRE. Oh, quel dommage. J'y ai cru, non, c'est à 100 mètres. Dégué. Mètres et un gros monsieur pas beau. Yep. Et donc, faut toujours
Ah bah non, j'ai cru qu'il fallait que je monte là-haut. Bon. Faut que je les appelle de là, maintenant. Ici Crane. Au rapport. Nouvelle mission pour Rice. Oui. Ça va être sale. Ah. On va récupérer l'argent du racket auprès des rescapés du secteur. C'est sale. Ne le lâchez pas. Gardez bien les enjeux en tête. Ok, terminé. Bon, bah... Encore des conseils ô combien précieux de la part du GRE qui... On se demande bien à quoi ils servent, en fait. Mais bon, peut-être le saura-t-on un jour. 70 mètres. Ah, un petit largajounet. Ça me ferait tellement plaisir de... Aïe, de me brûler les pieds. Oui, oui, mais c'est que ça pique fort. Ça me ferait tellement plaisir de... Non, c'est encore le marchand. Je m'en fous du marchand. Oh. J'ai été le voir. Ça m'aurait fait plaisir de ramasser un largage puisque ça donne des XP. Comment je fais pour entrer là-dedans, moi? Il y a du... Oh. Là, il y a... Non, encore du fil de fer. C'est pas possible. Barbelé, barbelé, barbelé. Barbelé. Ah, pas de barbelé. Coucou, les gens. C'est moi que voilà. Ça, c'est fermé. Bon, ok. Ça, il n'y a rien ni personne. T'as pris ton temps. Oh bah dis donc. Dépêche-toi. Ce n'est que le premier arrêt. Non mais, t'as pris ton temps, la prochaine fois vas-y toi-même. Hein. Ah. Il a l'air d'avoir perdu son livre porno lui. Mais, calme-toi. Hein. Ok, il n'y a personne, il n'y a personne. Ah, il y a un vieux marchand. Bah, j'ai rien pour lui. Et lui, qu'est-ce qu'il pourrait avoir pour moi? Benjamin Franklin, mais j'ai pas assez de pognon. Ils vendaient des matraques violettes. Ah, c'est dommage. Bon. Bon, papy. Toi, Jafar? Ça dépend. T'es qui, toi? Mon nom n'a aucune importance. C'est Rice qui m'envoie. Et qui lui doit de l'argent. Je te connais pas. Qu'est-ce qui me dit que tu viens de la part de Rice? Allez, fiche-moi le corps. Ok. Ah, bien. Voilà ce que je te propose. Je te casse les deux jambes et je te traîne jusqu'à chez Rice. Comme ça, il pourra t'expliquer pourquoi t'aurais mieux fait de coopérer. Ça va, ça va. Tu fais clairement partie de la bande de Rice. Ce sont des brutes impitoyables. Voilà ton argent. Prends-le. Il est content de payer. Je me tiendrai à carreau, promis. T'es chez toi ici. Mais me frappe pas, d'accord? Ok. Bon, bah ça y est, il est persuadé. Et ? Karim, c'est moi. Je viens de menacer un vieillard de lui casser les jambes. Et ça a marché, je parie. Bah bon, oui. Maintenant, tu vas chercher la taxe au village des pêcheurs. Dirige-toi à l'est, vers l'entrée du tunnel. Tu tomberas sur leur messager. C'est par là-bas, le village des pêcheurs. C'est parti, on va aller taquiner le goujon. Oui, taquiner le goujon et chaparder de la truite. Comment ça va? Oh, ça va super. Je fais des courses pour Rice. Il est très puissant et tout le monde a peur de lui. Ça, c'est sûr. Aïe. Bon, écoute, le temps presse. Ah oui. On a presque plus d'antigine. Ça m'ennuie de l'avouer, mais je commence à m'inquiéter. Je fais de mon mieux, Bracken. Je sais, je voulais juste m'assurer que t'étais au courant de la situation. Mets-moi la pression, Bracken. La motivation ne manque pas, crois-moi. Aïe. Bon, ils sont où mes amis pêcheurs? Pourquoi je peux pas grimper? Parce qu'il faut que j'aille là. Le village est plus qu'à 28 mètres. Mais dans le tunnel le village ou quoi? Ah non, ça va aller à l'entrée du tunnel, voir le messager. Ok. Oh, voiture de flic. Alors. Bon. Drôle d'endroit
pour cacher un messager. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah! Petite kéké sounette. Du plastoc, faudrait vraiment que je me fabrique des petits pétarounets. Une corde à cocktail Molotov. Un sac vide, évidemment. Et... allume-moi ta torche. Mais non, ne shoot pas ce coffre et crochette-le, imbécile. Oh. Non, non. Oui, ah, peut-être. Non. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve de beau là-dedans? Des étoiles de ninja et du kawax. C'est formidable. Plus rien par là-bas? Non. Ok. On va aller voir le copain de messager. Ah bah tu sais forcé quand il... Oh! Oh! C'est juste dégueu! Dégueu, dégueu, dégueu! Ah! C'est dégueulasse! Karim, c'est dingue! Un infecté gigantesque vient d'exploser sous mes yeux! Ouais, on les appelle des enflés. Nos gars en utilisent parfois pour tuer d'autres infectés. Tu leur tires dessus et ils restent tout dans un rayon de 3 mètres. C'est un bain. Tu plaisantes? T'approche pas et tout ira bien. Ah oui, bien sûr. Le messager, tu l'as vu? Non, j'ai vu personne, à part des zombies. Eh oui. Il va falloir que tu ailles jusqu'au village dans ce cas. Le type que tu cherches s'appelle Courcelle. Courcelle, ben. Sympa, merci de m'avoir emmené. Oh, une petite pelle militaire à 69, ça a l'air rigolo. Et une petite bourse. Ça s'est fermé. Et c'est tant pis. Dans la cachette du messager, là, il aurait pas été avec quelques goodies. Bon, ça c'était pour ouvrir la douche. Ça, ça pue. Et là-dedans, ça me mène à une bagnole de flics et quelques zombies qui sont bien loin. Ah non, ils sont pas loin du tout. Oh là là! Eh ben, c'était chaud. Oh, une excitée. Elle vient de battre. Un coup pour toi, un coup pour elle. Toi, tu dégages. Elle, elle est morte. Je te la fouille. Et il est mort aussi. Quelle riche idée. Bon. C'était tendu quand même, Starfair. On va plutôt se faire un petit lot de crochets pour voir la voiture de police. Bonjour. Un petit lot de pétards parce que c'est toujours sympa. Et... les cocktails Molotov, qui sont toujours utiles en cas d'invasion de cafards. Oh là là, encore une excitée. Tu vas arrêter de courir. Allez, récupère, récupère, récupère. Voilà. Viens, mais viens, mademoiselle. Voilà. Tout ça pour 15$. Et oh, un petit paquet. Ok, il n'y a plus personne cette fois. Non, je suis tranquille. Ok. Et j'oublie pas qu'il y a une voiture de flic de l'autre côté aussi. Raté. Raté. Ah non, je sais pas dans quel sens. Raté. Ah, c'est vraiment chaud à crocheter ces voitures de flics. Ah. Non, bah. Ah! J'y étais presque pourtant. Oh, mais. Quel manque de chance! Mais. Oh, mais. C'est pas possible! Ah. Un petit peu, comme ça. Non, ouh. Trop. Non. Ah, j'y étais presque. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Ouf. Sur le dernier crochet. Et tout ça pour trouver
chevalier et une batte de cricket. Ok. Ouh, petit paquet. Je vais tenter quand même la voiture de flic qui est de l'autre côté. On ne sait jamais que j'arrive à l'accrocher du premier coup. Surtout qu'elle était toute seule bien tranquille. Et je ne saurais laisser passer ça. Voilà. Ah purée. Bon bah voilà. C'est réglé. C'est réglé. Ah. Crochet en plus des pièces métalliques. Eh mais j'en ai plus de pièces métalliques. Eh gaga. Ah, je peux peut-être recycler des vieilles armes pour en faire. Qu'est-ce que j'ai comme vieilles armes? La batte de cricket 64, ouais mais c'est lent une batte de cricket. 60 en maniabilité. Oh. Ouais, mais en même temps j'ai mieux partout, donc on va la démonter. Et la peine militaire aussi. Voilà. Comme ça, oups, je me perds, je peux me refaire des crochets. Parce que les voitures de flics, si là-dedans je trouve pas des flingots, je sais pas où j'en trouverai. Hein ? Décidément. Qui c'est qui s'excite comme ça là ? Bon bah je sais pas. Oh non ! Ça peut pas être peinard ici hein ! Sa bouteille d'oxygène n'a pas pris feu. Quoique. Bon, ok. Continuons de crocheter. Ah, j'y étais presque. Ok. Bon, au moins, je l'ai eu avant de me faire maltraiter par ce bourricot. Tout ça pour un marteau. Même si Claude François appréciera le geste, moi, je ne l'apprécie que très peu. Hop là. On va aller voir les pêcheurs. Tout ça pour rien. C'était du temps perdu. Mais ça fait toujours plaisir. Que ce que tu me veux, toi. Bah oui. Voilà. Ça t'apprendrait à être aussi excité, là. C'était pas raisonnable. Ouh, un monsieur en feu, fous-moi la paix. Hop, pardon, pardon, laissez-moi passer. Faut que j'aille voir les pêcheurs, j'ai une folle envie de fruits de mer et de crustacés. Hop là. Un village pittoresque. Ah, avec des barbelés tout aussi pittoresques. Et une porte ouverte. Je suis à l'extérieur du village, mais ça grouille d'infectés. Oh, c'est pas bon ça. Un poids c'est tout. On est là pour protéger les gens, je te rappelle. Alors protège-les. Ouais, mais j'aimerais aussi fermer cette porte surtout. Faut que je ferme la porte avant qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Oh bon sang. De bois. Il y a un excité. Non, il est derrière la porte, l'excité. Oh, encore un. Oh, non, 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 c'est pas le moment, c'est pas le moment. 3 points de vie, c'est pas raisonnable. Voilà. Qu'est-ce que c'est que tous ces gros qui explosent, là? C'est tout sauf sympathique, ça. Bon, j'en ai un. Derrière moi, là, voilà, bim, bam. Ouh. Niveau de puissance, déjà, on sait jamais que ce soit une compétence magique.
Meilleur combattant, gagner de l'endurance. Oh oui. Meilleur combattant, je dis oui. Je dis oui, bien sûr. On va se faire ces rigolos-là, qui sont en plein bad trip. Voilà, toi je te fouille. Toi, je te shoot. Si tu pouvais mourir. Non, bah, ça suffit, oui. Qu'est-ce qu'ils sont affectueux ici. Eh oui. Et... c'est pas possible, ça. Voilà. C'est bon. Les pêcheurs sont satisfaits de ma prestation. Et c'est donc sur cette bonne nouvelle que nous allons nous laisser pour la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Toujours ouvert, ok? Je vous dis à très bientôt pour la suite de Dying Light qui arrivera très très vite. Allez, gros bisous et salut!